Je vois tout sans rien voir en ma pensée abstraite. Ô Dieu, je suis ravi. Non, je ne vois plus rien. La chose que je vois est tellement parfaite que je dis « Oh Jésus !» Je ne vois rien du tout. Si fait, je vois Dieu même. Non, je ne le vois pas, mais seulement son lieu. Je ne sais que je dis en cet excès suprême « Oh Jésus, oh mon Dieu !» Claude Opil ou la mystique baroque. J'ai une fréquentation et un goût pour Opil et pour tout un groupe, tout un bouquet de poètes baroques précieux, que l'on appelle ordinairement ainsi, de la première moitié du XVIIe siècle français, que je trouve injustement dédaigné aujourd'hui. Il semble qu'un des caractères justement de cette poésie, c'est qu'elle provient d'une recherche personnelle, qu'elle est véritablement une sorte d'oraison, on pourrait dire, une manière d'oraison, et qu'en même temps elle touche ce qui est une des préoccupations essentielles de cet âge, qu'on pourrait appeler l'âge baroque, et dans lequel précisément l'interrogation religieuse fait au fond le cœur, le soubassement même de l'être. L'inquiétude, il y a une véritable inquiétude religieuse et une inquiétude intellectuelle qui parcourt les cantiques des divins annoncements. Inquiétude intellectuelle d'autant plus vive que la critique de l'intellect ne cesse d'être faite. Claude Opil a pour moi quelque chose de très particulier, c'est qu'on le range, et je crois à juste titre, dans la catégorie des mystiques. Il y a des baroques légers, il y a des baroques mondains, il y a des précieux, il y a ceux qui se complaisent dans cette vision d'un monde changeant, inconstant. Il y a ceux qui, au contraire, comme Opil, cherchent à affronter, et c'est le propre de tout grand poète, l'inexprimable. Ô ternaire admirable, ô grand sans quantité, ô bon sans qualité, ô très haut sans mesure, ô profond sans limite, plénitude sans lieu, solitaire auteur, qui dans toi-même habite trois personnes, un Dieu. Ô puissance ineffable, ô sagesse sans prix, bonté saint des esprits, éternité sans temps, infini sans mesure, ô grand être incompris, ô vie inconcevable, ô substance très pure, l'extase des esprits. Principe sans principe et sans fin ni milieu, qu'est-ce là sinon Dieu? Qu'est-ce que Dieu, je ne sais, la foi dit des merveilles de son être excellent. Simple être comprenant trois personnes pareilles qu'il ne va révélant. Qu'ai-je dit du mystère où l'esprit connaît bien que simple il n'y voit rien? Je n'ai rien dit de moi, je n'y vois nulle chose. Ou si j'en ai parlé, au cœur, premièrement, avait parlé la cause me l'ayant révélée. Jean-Pierre Chauveau. Bien sûr, le baroque, il est d'usage, enfin, on ne peut pas ne pas le lier à l'histoire tumultueuse de la France.
qui va du déferlement des guerres religieuses à partir de 1560-70 surtout. Puis la restauration accomplie par Henri IV, mais presque aussitôt compromise par l'assassinat du roi en 1610. Les troupes de la régence Marie de Médicis, on a pu craindre un retour au chaos de la fin du XVIe siècle. Et puis alors le lent affermissement de la royauté absolue, Richelieu d'abord, avec l'épisode douteux de la Fronde, où tout semble remis en question, et puis alors évidemment l'affirmation la primauté et monarchie de la centralisation parisienne aussi, et une espèce d'uniformité morale, idéologique, qui s'impose à la France à partir de 1660. Jean Serrois. On se trouve d'une certaine manière devant un grand point d'interrogation. Il y a au fond une attitude sceptique au départ qui a besoin finalement de trouver des réponses. Le point d'interrogation suscite la nécessité d'apporter des réponses. Alors, cette nécessité d'apporter des réponses, il me semble que à la fin du XVIe siècle et durant tout le XVIIe siècle, elle va favoriser une sorte d'extrémisme de la spiritualité. Extrémisme dans le sens du mysticisme, c'est l'âge vraiment des grands mystiques, on a dit du XVIIe siècle que c'était l'âge des saints, le siècle des saints, et on voit en effet que ceux qui approfondissent leur foi le font d'une manière qui pousse leur réflexion, leur méditation, leur manière d'être aux limites extrêmes. Mais on pourrait dire également en même temps que c'est l'âge d'une pensée qui se libère justement de la réponse religieuse aux questions que l'on se pose. Et il est quand même très curieux de remarquer que le siècle des saints, c'est aussi le siècle de la libre pensée, le siècle des libertins, sans que finalement, me semble-t-il, on puisse forcément voir dans l'une et l'autre de ces deux directions, des directions qui s'excluent. Il me semble que c'est plutôt deux voies qui vont dans des sens divergents d'une sorte de même interrogation première. Je ne sais où je suis, ni qui je suis encore. Je ne sais que je fais, tant l'objet me dévore. Sans le voir nullement, je pense que c'est Dieu. Je ne vois pas sa gloire, touché de son amour. Je n'ai cœur ni mémoire, esprit ni jugement. Ne t'en étonne pas. Une nuit amoureuse, contemplant en secret l'essence très heureuse, au Père tu donnas ta mémoire et au Fils ta simple intelligence, ton cœur au Saint-Esprit, heureuse défaillance qui cause un saint trépas. Jean Gousset, des pionniers du baroque, enfin le pionnier du baroque avec un grand P, a parlé de l'inconstance noire. Il y a chez les baroques, sans doute en priorité, des gens qui sont particulièrement sensibles à l'instabilité de toute chose, à cette atmosphère de troubles, de catastrophes qui se succèdent, à cette remise en cause quelquefois radicale de tous les systèmes de pensée, de tous les systèmes d'organisation de la société, de toutes les règles morales. Alors il y a évidemment cette espèce de hantise qui peut conduire à d'ailleurs à une espèce de désespoir. Il y a tout un aspect de la poésie baroque, c'est une poésie de désespérance, du scepticisme aussi, même de la dérision. Et puis, il y a ceux qui, en face de constatant cet état de choses, se raccrochent désespérément à ce qui peut leur fournir des points d'ancrage, et c'est notamment, évidemment, la foi.
Qu'est-ce donc que je vois? Quelle vision pure! Je vois le Créateur, en lui la créature. Je vois l'être et le rien. Je vois le rien, en Dieu l'être qui l'être pâme. Si l'un me fait mourir, l'autre ravit mon âme dans son souverain bien. Je vois le néant simple en la nature belle. Quel prodige! Un néant du néant se révèle en moi par le péché. Mais si, sortant de moi, j'élève au ciel la vue, je vois le Dieu de Dieu dans une claire nue, le soleil est caché. Jean-Claude Carrière. Au pile, réellement, ça n'est pris au thème les plus imprononçables, comme celui de la création divine, comme celui de l'obscurité qui conduit à la lumière. Et c'est ce qui me passionne chez Opil, c'est la notion de défi. Il use le paradoxe comme l'arme classique de tous les grands poètes baroques pour essayer d'arriver à résoudre ses contradictions et à arriver un peu plus loin, par les mots. C'est-à-dire qu'il essaie de dire par des mots ce que son esprit ne peut pas concevoir. Il me semble que les poètes de ce siècle sont des poètes qui, d'une certaine manière, redécouvrent le pouvoir des mots, le pouvoir scrutateur des mots, le pouvoir révélateur presque des mots, et presque magique. Ce sont des poètes qui placent souvent la poésie très haut comme précisément un langage, le langage de l'indicible, les mots pour le dire, finalement. Et sur ce plan-là, on peut s'apercevoir que ce qui est vrai des poètes mystiques comme Opil, qui cherchent précisément toujours cet innommable à travers, par exemple, des alliances de mots extrêmement frappantes, on le trouverait aussi chez des poètes qui pratiquent la poésie, certaines fois à un degré moins élevé quant à leur inspiration, mais qui précisément cherche toujours à dire ce qui est indicible. Je pense naturellement à quelqu'un comme Tristan l'Hermite, qui est véritablement peut-être un des très, très grands et peut-être des plus grands poètes de ce siècle et peut-être même de la littérature française, chez lequel toute la poésie a toujours été justement une manière, au fond, de saisir les rêves de l'eau qui sommeille, comme il le dit dans un de ses plus beaux poèmes, c'est-à-dire finalement ce qui échapperait aux mots et que la poésie, comme une sorte de langage finalement inspiré, pas du tout à la manière romantique, hein, mais permettrait justement de capter. Alors, il me semble que là, véritablement, on a un approfondissement poétique qui est loin finalement des problèmes de rhétorique et méthodologique et théorique, des arts poétiques finalement, à quoi on réduit quelquefois un petit peu les luttes poétiques du XVIIe siècle, parce que naturellement Malherbe est passé par là, et on regarde la poésie du temps en fonction de ces questions techniques, on pourrait presque dire. Il me semble qu'il y a un approfondissement du langage poétique au XVIIe siècle, qui est quelque chose qui va de pair naturellement avec cet approfondissement intérieur qu'est la voix mystique. Venez, ô Saint-Esprit, entrez dedans mon âme, et l'ombre du soleil, venez me révéler. À l'odeur de l'époux, la pauvrette se pâme, elle court, elle chante, elle voudrait voler. Ô prodige amoureux, aventure nouvelle, elle est faite colombe aux côtés de Jésus. Hélas, qui vit jamais de colombe sans elle? Ayant trouvé l'époux, elle ne vole plus. Si fait, voyez un peu comme elle vole encore dans le cœur de Jésus. Beau monde illimité. De son humanité, quand ce verbe elle adore, elle s'envole au sein de la divinité. Appelez-moi Seigneur à ces amours très purs,
sans monde ne sont rien pour mon âme sans vous. La Trinité vaut mieux que toute créature, au milieu de laquelle est mon divin époux. Ces trois unités règnent si bien ensemble que mon cœur meurt d'amour de les bien adorer. Silence mon esprit, je les vois, ce me semble. Pour leur gloire en Jésus, je veux bien expirer. Anne Mantero. Le langage manque forcément Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de toute façon de théologie, même une théologie qui affirme, qui ne comporte pas une critique du langage. Et c'est d'ailleurs bien pourquoi il peut y avoir une proximité entre la théologie et la poésie. C'est parce que la théologie s'interroge nécessairement sur le langage. D'où chez Hoppe une sorte de rythme du cantique qui passe de l'affirmation à la correction de ce qui vient d'être dit. Il y a une sorte d'instabilité du dire qui est constante et qui nourrit le poème. Oui, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que, je dirais, son expression est tout le temps à la recherche d'elle-même. À savoir, il dit quelque chose, et puis il dit le contraire, ou il le dépasse, ou il le renverse, et parfois même il renverse le renversement, comme si on était tout le temps dans une sorte de poursuite, et que cette poursuite n'avait pas de fin, sauf éventuellement dans la vision extatique de Dieu. Oui, les cantiques d'Hoppe, je crois, sont interminables en quelque façon. Leur idéal, ce serait le silence, un idéal paradoxal, mais qui hante la poétique d'Hoppe. Et pourtant, la parole est sans cesse relancée par l'expérience même de son échec, qui est en quelque façon le moteur même du dire poétique chez Hoppe. J'ai tout vu sans rien voir. Oh, que j'ai vu de choses. Des yeux que m'a donné cette cause des causes qu'on ne voit de nos yeux. J'ai vu l'être de l'être, une essence première. J'ai vu le Dieu de Dieu, lumière de lumière, dans un char glorieux. Le voyant sans le voir, j'avais l'âme ravie. J'ai vu dans cet excès la vie dans la vie. J'ai vu dedans les cieux ce qu'on ne peut penser, encore moins écrire. J'aime mieux l'adorer en esprit que de dire ce qui n'est vu des yeux. J'ai vu le saint amour, la sagesse et puissance, qui sous trois noms divers sont une même essence. J'ai vu le trois fois grand, ne voyant rien du tout qui soit nommé visible, oh miracle du ciel, j'ai vu l'être invisible que l'être ne comprend. J'ai vu le beau du beau, la flamme de la flamme, le pur acte d'amour et l'âme de mon âme et mon vrai paradis. J'ai vu la vérité, l'amour, la sapience, la justice, la gloire et la magnificence, et plus que je ne dis. Dans un nuage épais, tout rempli de mystères, j'ai vu dans mes excès le glorieux ternaire, tout plein de majesté. Je l'ai vu sans le voir, il est inaccessible. Dans les trois, j'entrevis d'un œil intelligible la très simple unité. On sait très peu de choses sur Claude Hoppe, sur le personnage, sur ses sentiments. Donc il nous est très difficile de chercher dans son œuvre un reflet de ce qu'il était. On sait plus de choses sur Rimbaud ou sur Verlaine que sur lui. C'est normal, ils sont plus récents et surtout plus célèbres. De quoi part-il et où arrive-t-il ? Nous ne savons pas de quelle manière il appréciait dans la vie, par exemple, ce que Jean Rousset appelait l'inconstance blanche, c'est-à-dire le goût de la métamorphose, du changeant, du déguisement, du masque. Est-ce que
c'était quelque chose qui l'attirait ou qui, au contraire, le repoussait, nous n'en savons rien. Mais il est vrai que, et en ce sens, on pourrait presque dire qu'il est bouddhiste, qu'ayant franchi toutes ces étapes, il se trouve devant une inconstance fondamentale. Il se trouve même devant une inconstance de la lumière. Et il le dit à certains moments, ce qui est le plus troublant, puisqu'aujourd'hui nous vivons sur cette certitude que, au moins, la vitesse de la lumière, sinon son intensité, est une constante, c'est même la constante fondamentale de l'univers, nous dit-on. Eh bien, même lui trouve dans sa contemplation de la lumière quelque chose qui varie, pour employer un mot de cette époque-là. Et en ce sens, pour bien saisir Claude Opil, il faudrait le lire avec Sohrawardi, qui est un philosophe-poète persan qui a fait de la lumière son obsession et le cœur même de ses ouvrages, au point qu'aujourd'hui, des astrophysiciens comme Michel Cassé, quand ils étudient la lumière, lisent Sohrawardi, non pas du tout pour y trouver des vérités scientifiques, ne soyons pas absurdes, mais pour y trouver un langage, pour y trouver une manière de parler. Et quand j'avais cité dans la conversation sur l'invisible le Cantique mystérieux de la lumière de Claude Opil, ce qui avait beaucoup frappé les astrophysiciens, c'était que cet homme, qui évidemment était très très loin de savoir ce qu'ils savent aujourd'hui, trouvait pour le dire des mots que eux-mêmes aujourd'hui pouvaient utiliser. Le Saint, le Saint. Lui seul, il est mon Dieu, de nuages enceints. Je ne puis le connaître, si fait, je le connais, mais je ne le vois point. Quel esprit pourrait voir trois points dedans un point, trois noms dedans un être? C'est un acte très pur, l'immense profondeur, la longueur éternelle, indicible grandeur, hôtesse inaccessible. Le silence ineffable en claire obscurité, le vrai repos des saints et leur félicité, toute incompréhensible. Qu'ai-je dit de ce tout, sans qui ce tout n'est rien? Je n'ai rien affirmé de mon souverain bien que j'adore en la nuit. Si quelqu'un me disait « quelque chose je vois de la grandeur de Dieu », soudain je lui dis « roi, tu ne l'as pas connu ». Il est celui qui est, qu'est-il? Je ne sais pas, et ne le saurai point qu'après que le trépas m'aura l'âme ravie. Un objet infini, le fini ne connaît. Un objet éternel dans le temps n'apparaît à la mortelle vie. Veux-tu voir l'invisible autant que tu le peux? Fermant l'œil de l'esprit, ouvre l'œil amoureux, pour voir Dieu qui t'appelle. Ainsi, levant ton cœur au céleste séjour, sans rien voir, tu vois tout en cette nuit d'amour, alors qu'il se révèle. Le siècle qui a vu l'éclosion du jansénisme en France, c'est un siècle dans lequel les problèmes de spiritualité sont véritablement des problèmes qui sont au cœur de la réflexion des gens qui pensent, j'allais dire. Il y a donc un ensemble d'éléments qui font que la spiritualité française est particulièrement forte tout au long de ce siècle-là, et peut-être donne-t-elle cette impression de force et d'approfondissement plus encore dans les œuvres poétiques que dans les traités ou dans les commentaires, qui sont peut-être davantage liés à des formes, on pourrait dire, un petit peu rhétoriques, convenues, extérieures. Tandis que là, la poésie, c'est une manière de tracer son sillon à soi seul, de se trouver face à l'indicible, à l'innommable, et puis d'essayer précisément de le dire, de le nommer.
toute expérience religieuse, quelle que soit l'époque d'ailleurs, vise à combler l'abîme qui sépare l'homme de Dieu, le néant de la plénitude, la déchéance du salut, etc. Et pour accomplir, enfin, pour essayer de combler cet abîme, hein, il y a une démarche spirituelle qui est à l'œuvre, encore une fois, à toute époque sans doute, mais plus spécialement à cette époque qui nous occupe. Une première étape où l'homme se met en face de lui-même, hein, et fait le constat de sa déchéance, de la précarité de sa condition, de sa misère, de sa condamnation inéluctable à la mort, de son abandon au péché, enfin toutes ces données-là. Hein. C'est un travail sur soi préalable, hein, à tout espoir d'en sortir, à tout espoir de reconquête. Hein. Puis il y a une deuxième étape, alors là, qui est profondément enracinée dans la tradition chrétienne, qui est une méditation ardente sur l'incarnation et la rédemption, enfin sur la personne du Christ, hein, la personne du Christ qui réunit en sa personne, et en sa vie, et en sa mort, en sa résurrection, il réunit à la fois le comble de la misère de l'homme et le comble de la grandeur de Dieu. Et puis alors une troisième étape, qui est l'étape de l'extase, hein, où l'homme, au terme du parcours, se retrouve en face de son Dieu, où il est en quelque sorte dans la suite du Christ glorieux, du Christ ressuscité. Et il a accès, ou tout au moins il est sur la voie d'accès au mystère divin. Fermant les yeux du corps et de l'esprit ensemble, ouvre l'œil de la foi. Regarde, admire et tremble. Et puis, ne voyant rien, profère assurément ce salutaire oracle. Ne voyant rien du tout, j'ai tout vu par miracle en mon souverain bien. J'aime mieux ce brouillard où sont toutes les choses. J'aime mieux ce brouillard où la cause des causes. Je crois et ne vois pas que le soleil du monde et la beauté céleste, sinon celle de Dieu qui se rend manifeste après un doute repas. Le lyrisme au XVIIe siècle n'est pas celui de la confidence d'une première personne, d'une âme. Ce n'est pas le lieu pour dire les états d'âme. Ce n'est pas encore. Et si on regarde la façon dont Eupile se sert de la première personne qui est présente dans ses cantiques, elle garde des traits extrêmement flous, peu individualisés. Nous ne sommes pas, je crois, dans une écriture du témoignage. Plus fondamental peut-être même que le récit en vers d'une expérience mystique est l'affirmation du caractère indicible de Dieu. L'indicible, je crois, chez Eupile, ce n'est pas d'abord ce que ressent l'âme, mais c'est Dieu qui se dérobe, qui est à la fois trois et un, trine un, comme il dit, la trine unité. Le lieu même de l'indicible, c'est Dieu, je crois. Et par conséquent, la poésie lyrique d'Eupile ne permet pas de dire rien d'assuré sur la vie et l'existence d'Eupile, d'où deux propositions. L'une, il a écrit ses vers parce que c'était un faux mystique et comme compensation, ou autre proposition, il n'a pu écrire ses vers que parce qu'il était lui-même mystique. Mais c'est une fausse question, je crois. L'essentiel, c'est de voir, me semble-t-il, enfin c'est ce que je proposerais, l'essentiel, c'est de voir qu'Eupile ne renvoie pas à une expérience, mais qu'une parole de louange et d'offrande s'accomplit présentement dans le présent de l'écriture, offert au présent d'une lecture. Solitaire auteur, sainte horreur ravissante. Silence glorieux, beau sein des séraphins, ombre resplendissante, douce mort de nos yeux,
extase des esprits, jusqu'à vous ma pensée ne peut être élancée. Je connais par la foi que vous êtes Dieu même, qui ne peut être vu. De vos pures clartés, un seul rayon suprême, ayant l'âme entrevue, en un petit moment, il se change en nuage, dans le mystique ombrage. J'admire cet objet en cette prison noire, dans le divin miroir. Dieu me donne un esprit pour adorer sa gloire, non des yeux pour le voir. Je l'aime purement, mon cœur en ce lieu sombre voit son soleil à l'ombre. Ô prodige nouveau, je suis tout dans l'essence de mon souverain bien. Mon esprit est compris de sa pure substance sans en comprendre rien. Je le crois, car ce tout que Dieu même en appelle au rien ne se révèle. Le secret du secret, l'abîme de l'abîme, est cette trinité. C'est une mer sans fond, le ciel du ciel sublime, que trois en unité l'aimer et l'adorer sans le voir, c'est la vie de mon âme ravie. Ce n'est pas un grand heurt de penser et d'écrire de ce sujet heureux. C'est un bien désirable à l'âme qui l'admire d'un cœur tout amoureux, de mourir en servant la Trinité parfaite pour laquelle elle est faite. Comme Saint Jean de la Croix, et comme la plupart de ceux qui se sont livrés à ce genre d'expérience, il est passé par l'obscurité d'abord. La nuit obscure de Saint Jean de la Croix, que d'autres appellent le nuage d'inconnaissance, il l'a connu et exprimé à plusieurs reprises. Et il l'a exprimé toujours en parlant ou de la ténébreuse clarté, c'est-à-dire en mettant côte à côte deux mots qui apparemment s'annulent, mais en essayant de cette annulation d'aller plus loin. C'est ce qui me fascine chez lui. Il arrive même, au pile, à créer des mots, à user du langage pour exprimer par des mots nouveaux, par exemple, la contradiction fondamentale de la Sainte Trinité, à laquelle il s'est attaqué très souvent. Le grand problème de la poésie religieuse, puisque tout cela passe, et il faut le savoir, et il faut le dire, par une apparence de religion, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'une foi, à l'intérieur d'une croyance qu'on n'est pas obligé de partager pour apprécier cette poésie, que le poète s'exprime. Donc, son grand affrontement, lui qui perçoit le monde comme multiple et qui tend à atteindre l'unité, c'est de se mesurer, avec les armes qui sont les siennes, à un Dieu seul et unique, au monothéisme qui, vous le savez, a eu toujours beaucoup de mal à admettre et faire ressentir la multiplicité du monde, que le polythéisme aborde beaucoup plus franchement. Et c'est en ce sens encore que le chemin de Claude Opil m'intéresse. Par exemple, quand il parle de Dieu, il l'appelle quelquefois le tri-un, comme s'il voulait en un seul mot, trois et un, mettre les deux notions arithmétiques de un et trois, qui s'excluent généralement et qui pourtant constituent le premier mystère de la religion chrétienne, qui, si on ne l'admet pas, interdit aux croyants d'aller plus loin, car il faut admettre le mystère si l'on veut pénétrer les tréfonds ou les surplombs de la religion. Et Claude Opil nous aide beaucoup à cela.
Pas trois éternels dans une éternité, mais un seul éternel règne dans cette essence. Je vois trois beaux amants dans une complaisance en parfaite unité, mais ce trois et cet un à nul ne se révèle. Où il écrit, ou du moins au moment où nous le lisons, nous avons le sentiment que tous les tourments sont résolus. Nous avons le sentiment que toutes les complexités de l'esprit et du cœur sont réduites et qu'une simplicité fondamentale se découvre. Certains ornements trahissent sans doute une recherche laborieuse, mais il n'a pas oublié, dans un dernier effort, les poètes du XVIIe siècle sont très largement des poètes catholiques. Il y a quelques poètes protestants, on peut penser à Laurent Drelincourt, bien sûr. Mais enfin, la très très grande majorité, ce sont des poètes catholiques, mais qui ont retenu, on pourrait presque dire, de ce rapport direct avec Dieu, ce que les luttes religieuses ont pu mettre en avant et ce que le protestantisme finalement a pu leur apporter. D'autre part, il est évident que ces poètes-là sont aussi des poètes qui, très souvent, il y a des hommes d'église, beaucoup, mais ce sont aussi des gens qui sont engagés dans leur vie mondaine et qui distingueraient assez bien, on peut penser par exemple à quelqu'un comme Godot, l'évêque de Vence, qui distinguerait assez bien ce qui relèverait finalement de l'aspect mondain de leur activité, et au contraire de ce qui relève de cette arrière-boutique spirituelle qui est finalement leur manière à eux d'aller directement dans un dialogue avec la divinité. Et le même poète finalement peut avoir deux versants qui nous paraîtraient à nous finalement un peu différents, opposés, d'une mondanité un peu légère, superficielle et quelquefois même clinquante, et au contraire d'une sorte d'approfondissement de la voix intérieure. Il ne semble pas que pour beaucoup cela ait pu véritablement poser problème. Ceci dit, les grands mystiques sont ceux qui privilégient naturellement la voie intérieure. Et quand on touche à des gens comme Opil ou comme Malaval, on voit que pour des raisons diverses, eux ont véritablement creusé un sillon, fouillé une trace, qui est une trace vraiment de l'intériorité poétique.
ne voulant contempler fixement ce mystère, je veux vous adorer d'une foi salutaire, sans esprit et sans yeux. On sait tout au plus qu'il était parisien, puisqu'il signe quelquefois Claude Opil parisien. Qu'était-il dans la vie ? Était-il un prêtre ? Était-il un séculier ? Était-il un laïc ? On ne sait pas. On a plutôt l'impression qu'il était laïc, puisque l'un de ses titres de ses ouvrages, il le présente comme des suggestions pour des prédicateurs, et des suggestions aussi pour la pratique de la dévotion. Mais c'est tout ce qu'on veut savoir. Donc là, la poésie ne peut pas être, et je crois que même dans le cas de Saint-Jean de la Croix, de toute façon, la poésie n'est pas la transcription, ne peut pas être la transcription immédiate d'une expérience mystique. Elle est tout au plus une espèce de figure qui met le lecteur sur la voie de ce qui a été profondément ressenti par le poète. Alors, est-ce que c'est une expérience personnelle que le poète transmet, ou bien, parce qu'il y a des influences, lorsqu'on lit Opil, on se rend bien compte qu'il a lu Denis l'Aréopagite, on sait qu'il a découvert les grands mystiques espagnols, Saint-Jean de la Croix et Sainte-Thérèse. Hein. Est-ce qu'il a voulu, à sa manière... transcrire en quelque sorte ce qu'il a lu chez d'autres, et chez des mystiques authentiques, on ne sait pas. Je crois que de toute façon, une poésie n'est pas la traduction d'une expérience mystique, elle est tout au plus une figure de l'approche de cette expérience mystique. Et au terme de la... D'ailleurs, les cantiques d'Opil, des divins élancements, se terminent en quelque sorte dans une sorte d'appel au silence. Il y a l'ascension, l'image du vol est constante chez Opil, divins élancements, l'envol, le vol d'esprit, etc. Il y a une ascension, et au terme de cette ascension, il y a une sorte de lumière à la fois révélatrice et aveuglante, et puis plus rien. Au terme, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, c'est le silence. Pensant à sa beauté, je ne m'étonne pas si mon âme à l'instant est tirée en extase, puisque le séraphin dans le ciel elle embrase de si charmants appas, que s'il était mortel, il mourrait bien pour elle quand elle se révèle. Dans ce divin soupir que l'esprit amoureux dans le sein éternel incessamment respire, il trépasse à l'instant, mais en ce qu'il expire, il est fait bienheureux, trouvant en ce trépas sa gloire salutaire dans le vivant ternaire. Il donne une valeur mystique à la poésie, une valeur donc de recherche mystique, et peut-être même, allons jusqu'au bout, une sorte de plaisir, allons dire extatique dans certains cas. Hein. La poésie est cette manière par laquelle, au fond, on échapperait à une sorte de matérialité, hein, y compris la matérialité des mots, pour arriver à quelque chose qui est d'un autre ordre, comme disait Pascal. Hein. Alors, poésie mystique ou mystique poétique, très difficile de lire. En tout cas, c'est une expérience poétique qui a une valeur extrêmement forte. Peut-être en trouverait-on des exemples, je ne sais pas, dans des mystiques orientales, par exemple, dans lesquels on ne distingue pas forcément la voix mystique au IE et la voix mystique au IX. Oui, mais précisément, alors on a l'impression que d'une certaine manière, chez Opil, à force d'aller jusqu'au bout de lui-même, de se détruire en même temps qu'il se construit, de se nier, si on peut dire dialectiquement, que le langage, de ce point de vue-là, finit par porter en lui-même sa réalité, et que d'une certaine manière, parler du divin, même si c'est pour dire qu'on le rate sans arrêt, qu'on le manque sans arrêt, parler du divin révèle le divin lui-même. Oui, oui. C'est au fond de donner la définition la plus profonde, la plus grave, la,
la plus extrême de la poésie. Je crois que ce sont des poètes qui ont fait une expérience de la poésie telle que on est très très loin de l'image que l'on a pu avoir justement de ces poésies un petit peu superficielles. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un là qui porte au fond ce que la poésie précisément peut porter. Je dirais que tout à l'heure je parlais d'inspiration, ça me semble beaucoup plus fondamental par exemple que cette sorte d'inspiration romantique du poète Mage tel que Hugo plus tard la développera, qui est quelque chose d'un petit peu extérieur. Là, c'est de l'ordre intime de la poésie, hein. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans la définition d'un langage dont on se nourrit. C'est dans ce sens-là, je pense, que la poésie de Peel est quelque chose qui la nourrit véritablement. On le voit d'ailleurs dans le fait que les premiers poèmes de Peel, les œuvres chrétiennes de 1603, vont beaucoup moins loin du point de vue de l'expérience mystique que les divins élancements d'amour ou le vol de l'âme amoureuse. Il me semble qu'on est là dans une sorte d'approfondissement. Et bon, c'est un poète qui n'est pas suffisamment connu par lui-même. On sait pratiquement peu de choses, on n'est pas sûr de l'année de sa naissance, pas tout à fait sûr de l'année de sa mort. Donc c'est quelqu'un qui nous reste très mystérieux. On n'a pas beaucoup de renseignements externes pour se faire une idée précise de la manière dont il a vécu sa vie, on pourrait dire. Mais si on en reste à une lecture proprement interne de ses œuvres, on s'aperçoit qu'il est allé dans un approfondissement, me semble-t-il, à la fois de cette volonté de parvenir à Dieu dans l'expérience mystique, et en même temps dans cette volonté de donner à la poésie matière à y parvenir. Il se fait dans le ciel un silence d'une heure. Au sein de ce repos, il faut que tout se meure pour vivre au Dieu des dieux. C'est une sainte mort, c'est une heureuse vie que d'avoir au Seigneur ainsi l'âme ravie au baiser glorieux. Je crois que Peel est allé très loin, d'une part dans l'invention d'une langue, c'est cela qui le singularise parmi les autres poètes de son temps. Le style de Peel se reconnaît, s'entend parmi les autres poètes contemporains. Donc il est allé très loin dans l'invention d'une langue et en même temps il est allé loin, je crois, dans la volonté à la fois de prendre appui sur des doctrines, non seulement celle de Denis, mais même parfois celle d'une théologie qui affirme, Thomas d'Aquin est présent pour dire la Trinité, saint Augustin également. Donc il y a un fort contenu théologique, une grande densité doctrinale dans les Cantiques des divins élancements. Et en même temps, le poète a su faire travailler ce contenu théologique et contester la discursivité à partir même de ces matériaux. Je crois que ça, c'est quand même une réussite assez considérable, qui veut dire aussi que la poésie n'est pas la simple répétition en vers d'un texte théologique, même pas la répétition d'un texte théologique qui dirait que Dieu est incompréhensible, ce qui resterait quand même très pauvre. Mon âme meurt d'amour, meurt de la mort des anges. Oh, merveilles étranges! Elle rit en mourant pour cette trinité qui ne m'ôte la vie que pour la rendre heureuse au sein de l'unité qui me l'avait ravie. Il faut aussi faire la part, quand on lit les poètes de cette époque-là, de la nécessaire forme classique à laquelle ils sont soumis. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de parler, de s'exprimer dans des vers qui riment, et qui riment même de manière masculine et féminine successive, qui ont un certain nombre de pieds, etc. Ils ne sont pas encore verléniens. Ils ne peuvent pas utiliser l'impair, et à plus forte raison, rimbaldien. C'était parce qu'il y a souvent des rapports très étroits de vision entre eux et Rimbaud. C'est même très passionnant, et je le conseille aux gens qui nous écoutent, de lire deux ou trois poèmes de Chassignier, Marbeuf, Claude Peel, Lacépède, Théorème spirituel, et de passer aux Illuminations.
de Rimbaud. C'est très, ou même, si l'on veut compléter le voyage, de retourner au poète mystique persan du XIe, XIIe et XIIIe siècle, de retourner à Attar, à Rumi et à Hafez. C'est très intéressant de voir comment, quelquefois, non seulement ce sont les mêmes tentatives d'une vision dépassant l'ordinaire composition du monde que tend le poète, mais même quelquefois les mêmes mots qu'il utilise. En particulier, l'usage du paradoxe, l'usage de mots qui apparemment se contredisent, mais qui, par le choc qu'il provoque dans cette contradiction, nous amène à nous poser une autre question, non pas à revenir en arrière en nous disant « Bon, on ne peut pas aller plus loin, c'est une impasse, les deux mots s'annulent », mais au contraire, à franchir cette barrière comme un bon cheval et à aller plus loin, c'est là où se trouve le secret de cette poésie. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est mon Dieu. L'unité me ravit et le trois m'épouvante. Cette essence est trop belle et par trop ravissante que j'admire en ce lieu pour la voir fixement. Ce soleil dès l'aurore me parle et je l'adore. À genoux, tous mes sens, mon âme et mon esprit, à genoux, tous les saints, à genoux, tous les anges, à genoux, Vierge Mère et Reine des Archanges, adorons Jésus-Christ, le Père dans le Fils, en eux, l'Esprit encore, c'est ce que chacun adore. Là, on touche à un point essentiel, me semble-t-il, c'est qui est peut-être au fond le fondement même du baroque, hein, c'est-à-dire mettre ensemble ce qui s'exclut, rapprocher ce qui est éloigné, l'oxymore qui met des éléments en contact dont le contact produirait précisément l'étincelle qui permettrait au fond d'essayer d'arriver à dire ce que l'on ne peut pas dire. Il y a une sorte de violence qui est faite en effet au langage, qui n'est pas simplement limitée à l'utilisation des figures pour elles-mêmes, je dirais, comme une ornementation, comme une sorte de jeu. Hein, on pourrait en effet le réduire à cela. Ça va beaucoup plus loin. Ça va dans la volonté, finalement, de trouver dans ce type d'expression une sorte, on pourrait presque dire, d'équivalence à l'insondable mystère. Pour ce qui est de Opil, on voit bien, par exemple, que dans les divins lancements d'amour, ce qui est au cœur de tous ces cantiques, c'est le mystère de la Trinité. Un vrai mystère, comment l'un peut-il être trois ? Comment peut-il y avoir, donc, ce que toutes les lois mathématiques, rationnelles, etc., interdisent de penser, comment cela peut-il se faire ? Et alors, par le ressassement, on pourrait dire précisément, de ce 3 en 1 et de ce 1 qui est 3 tout en étant 1, par une sorte de refrain, de litanie qui intervient tout au long de ces poèmes, il se crée une certaine accoutumance, on pourrait dire, du lecteur à frôler des mystères que sa raison ne permettrait pas d'envisager. À tel point que cette valeur incantatoire a un côté presque berçant, comme si précisément, sans arriver véritablement à dire ce que l'on ne peut pas dire, on avait une sorte de moyen, malgré tout, d'en avoir une sensation, je ne dirais pas une idée, mais presque une sensation forte, de la même manière, comment traduire l'extrême de la lumière, sinon par le rapprochement constant avec les ténèbres. Hein, des ténèbres sort la lumière, et cette lumière est tellement aveuglante qu'elle obscurcit, et de cette obscurité précisément vient une sorte d'éclat tellement fort qu'on ne sait plus où est la lumière, où sont les ténèbres. Et finalement, c'est dans ce paradoxe, dans ces apories mises bout à bout et réalisées, que finalement le baroque arrive à se frayer sa voix, qui n'est pas en effet une voix du rationnel, mais qui touche à la sensation, à l'imagination, à d'autres sens. Jean-Claude Carrière. Non seulement il y a une désarticulation du langage et même une liberté de prosodie souvent étonnante, mais il y a à l'intérieur même de son langage ce que l'on pourrait appeler une théâtralité. C'est-à-dire qu'il y a des « oh », des « ah », avec des points d'exclamation qui tout à coup semblent exprimer non plus une idée, mais un sentiment, une émotion, voire une sensation. Et c'est en ce sens aussi qu'il est,
je crois, plus que jamais notre contemporain et qu'il faut souhaiter que les générations qui nous suivent le connaissent et l'apprécient mieux que les générations qui nous ont précédés. Jean Serrois. Il me semble qu'il y a des poètes qui sont des poètes encore, j'allais presque dire, de la terre, hein, c'est-à-dire du corps, qui sont des poètes dans lesquels la force du monde est telle, on le détruit naturellement, mais d'une certaine manière, on en reste encore prisonnier. On voit constamment, par exemple, comment la poésie de Chassigny, qui est une poésie magnifique, est une poésie qui s'acharne, en quelque sorte, à détruire, mépris de la vie, mépris de la vie, à détruire justement tout ce qu'il peut y avoir. On est donc dans une poésie là où l'on est, l'arrachement est en train de se faire. Alors que chez Opil, on est dans une poésie du vol, c'est-à-dire où l'arrachement a déjà eu lieu d'une certaine manière. Dans les premières œuvres de Opil, on voit un certain nombre de poèmes qui sont des poèmes encore où la vie est rejeté, où le corps est méprisé, où il y a où l'on retrouve un petit peu ce que l'on trouverait dans la poésie de Spond. Alors que dans les divins élancements d'amour, on est au contact de la lumière de Dieu. C'est-à-dire que on est là dans un vol mystique, si vous voulez, qui suit en effet l'arrachement terrestre qui a été peut-être la première étape à partir de laquelle, justement, la démarche mystique elle-même se fait. Si vous voulez savoir ce que j'aime en ce monde, c'est le ternaire saint qu'adorent les esprits. Hélas, je meurs d'amour pour l'unité féconde dont l'archange est épris. Le principe éternel, le verbe unique, engendre ces deux, une unité que je ne puis comprendre. Je regarde ces trois pour aimer l'un suprême, et je chéris cet un pour ce qu'il est mon Dieu. Mais ces trois unités sont une unité même, sans principe et sans lieu. Ici se perd le sens et meurt l'intelligence. Ici l'ange est défaut, ici la foi commence. Chez Opil, il n'y a, je dirais, que le mouvement vers Dieu. Et dans la mesure où on est dans la religion chrétienne, je compare à un autre poète qui meurt à peu près la même année que Opil, qui est Jean-Baptiste Chassigné, qui lui, je dirais, médite jusqu'au vertige sur l'incarnation du Christ. Oui. On a l'impression que finalement, Opil, l'incarnation du Christ, ça va de soi, on n'a pas besoin d'en parler. C'est que la figure du Christ est fondamentale pour la deuxième étape. L'homme part de sa misère, et puis il rencontre le Christ, et le Christ, il rassemble à la fois la misère et puis la révélation de Dieu. Il est l'homme-Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la poésie religieuse du XVIIe siècle, la poésie baroque religieuse, elle est, pour l'essentiel, centrée autour de la personne du Christ. Le monument élevé par la Cépède, les théorèmes, c'est une immense méditation, rumination sur les épisodes de la vie du Christ, et en particulier la passion et la résurrection. C'est vrai que chez Opil, le Christ n'est pas nommé, il est nommé par des périphrases, puisque Opil tient constamment à méditer sur le mystère de la Trinité. Mais c'est un mystère, j'allais dire, c'est une méditation presque abstraite. L'incarnation, la rédemption, Dieu sait si elle abonde, ces mystères abondent en très concret, bien entendu, surtout lorsqu'on suit de près le récit de la Passion du Christ. Le mystère de la Trinité, Opil joue avec la symbolique des nombres, et le Christ représente le chiffre 2, mais le chiffre 2 n'a... Dieu rejette la dualité, il ne s'accomplit que dans la Trinité. Mais c'est tout. Mais le Christ n'a pas d'autres représentations dans la poésie d'Opil que cette vertu du nombre 2 qui fait le lien entre le Père et l'Esprit. Il y a sur tout être un être sûr et tant,
Il y a sur l'essence une suprême essence, une vie, une paix, une magnificence de soi-même existant. Qu'est-ce là ? Je ne sais. C'est une essence nue d'elle seule connue. Anne Mantero. L'essentiel est quand même cet ancrage dans un tu ou dans un vous divin auquel les cantiques sont offerts. Et le projet d'une louange me paraît d'ailleurs rejoindre tout à fait la théologie dionysienne, qui s'interroge sur la, enfin, qui donne le fondement d'une possibilité de louer Dieu par la double voix affirmative et négative. De toute façon, ce système de reprise que l'on constate donc d'un cantique à l'autre est au moteur même de son écriture. Donc on peut déjà le saisir dans une strophe. Il y a un constant usage des répétitions de mots. Et par exemple, on peut voir comment Opil, très souvent, use d'une syntaxe extrêmement faible. À la fois, il y a le mouvement de la strophe, voire même le mouvement du cantique qui emporte le poème, et en même temps, les propositions sont brèves, souvent brèves, donc des phrases qui ne sont pas liées par des coordinations ou par des subordonnants, le plus souvent, enfin, bien sûr, il en existe, mais pas toujours. Et il arrive qu'Opil, pour enchaîner une phrase à l'autre, une proposition à l'autre, fasse passer le complément de la première proposition en sujet de la deuxième. D'où une sorte de labilité du dire, d'extrême mobilité, d'instabilité. Alors on comprend qu'avec un tel principe au niveau de l'enchaînement des phrases, évidemment, il puisse y avoir des répétitions, des reprises mot pour mot lorsqu'on considère l'ensemble du recueil. Et je dis, je me trompe, une âme vagabonde peut-elle voir au corps le grand monde du monde, ce qui vit sur tout lieu, sur tout temps, mouvement, idée, intelligence? Tu parles en excès, mon esprit, et tu penses déjà voir ce grand Dieu. Je le vois, je le vois, je le vois, ce me semble si doux et glorieux que je meurs et je tremble. Si je meurs, c'est d'amour. Je tremble de respect à l'adorable vue de mon soleil, qui fait du soleil une nue, une nuit de son jour. Que dis-je que je vois? Je ne vois rien encore. Le soleil ne luit pas, c'est le point de l'aurore. Je vois obscurément, quoi? Trois divins soleils qui soudain m'apparaissent. Non, je ne les vois plus. Et quand ils disparaissent, j'en vois un seulement. N'avez-vous jamais vu dans une épaisse nue, se mirant le soleil, apparaître à la vue trois semblables soleils? C'est de la Trinité l'imparfaite figure. Ainsi Dieu nous fait voir aux œuvres de nature ses secrets non pareils. François Boucher. Une grande partie des divers élancements d'amour décrit les voluptés insupportables de l'amant exténué sous le divin baiser, mais d'autre part, les divins élancements d'amour traduisent l'état d'inquiétude, d'insatisfaction fondamentale du poète. Il soupire, il halète, comme dit Opil en mains endroits des divins élancements d'amour, se sont transportés dans l'ordre religieux tous les symptômes de l'humaine passion, avec ses molles ardeurs, avec ses joies suppliciées. L'objet divin se présente au désir dans le même temps qu'il s'y dérobe. Il est impossible de le tenir et sans passé est intolérable. Et cela se traduit poétiquement par l'exaspération sensuelle. Il semble que tout le recueil des divins élancements d'amour soit tendu
et souffrant qu'il traverse, n'est-ce pas, ces fièvres qui augmentent toujours, les gémissements s'éternisent. En somme, l'extase mystique est une sorte de crise et c'est cette insatisfaction, c'est ce désir qui n'est jamais finalement assouvi, qui font naître chez Claude Opil le désir de mourir. Alors, par exemple, l'interprétation qui a été faite de l'extase de la Sainte Thérèse du Bernin, célèbre, en effet, nous fait penser que cette mort mystique, elle a quelque chose à voir avec une autre petite mort, si vous voulez, extatique, plus charnelle. Chez Opil, il me semble qu'il y a une... Il est difficile de faire le départ entre les mots utilisés et la réalité de l'expérience elle-même. Précisément peut-être parce que l'expérience mystique serait au-delà des mots. Ça, c'est quelque chose... Tous les mystiques ont essayé de traduire par les mots ce qu'ils sentent et qui dépasserait tout. Et il faut bien naturellement que ces mots, malgré tout, soient là pour dire ce qui leur échappe. Alors, chez Opil, on a l'impression, en effet, que c'est d'un autre ordre. C'est que les mots eux-mêmes ont été investis, je dirais, d'une autre fonction, que cette autre fonction, c'est précisément cette sacralité du langage, en quelque sorte. Ils sont les véhicules par lesquels on peut finalement arriver à dire quelque chose du tout. Hein. Ils sont le rien qui permet finalement le tout. Et donc, on est probablement au plus pur de l'expérience mystique. Qu'en est-il de la véritable expérience mystique ? Je crois qu'il n'y a que les mystiques eux-mêmes, ceux qui l'ont vécu, senti, qui pourraient le dire. Mais la lecture des poèmes de Opil donne la sensation, malgré tout, sinon de partager cette expérience, tout au moins d'arriver au-delà de tout pour précisément aboutir à ce que ces mots eux-mêmes peuvent nous faire imaginer. Ô soleil du soleil qui luisait dans le temple, de votre éternité, lorsque je vous contemple, je ne vois qu'un brouillard. J'adore en m'élevant, et lorsque mon idée est sur l'aile d'amour, en vos parvis guindés, je dis, Seigneur, hélas. Un prophète criait, ah, 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 je bégaye, et j'en fais tout ainsi, quand vers vous je m'essaie de m'envoler toujours. Mon faible esprit se perd et se fond et s'abîme, se confond et se trouble en cette mer sublime sans trouver ses amours. Dans ce plaisant brouillard plein d'horreurs salutaires, j'aime beaucoup mieux voir l'ombre de ces mystères que du monde le jour. Le monde est un enfer qui les âmes tourmente, et je goûte à yeux clos, à l'ombre ravissante, un paradis d'amour. Dans l'attitude religieuse, et même mystique, qui l'attitude mystique n'est pas forcément religieuse, et même quelquefois elle a été sévèrement condamnée par les orthodoxies religieuses, puisqu'elle échappe à la règle, elle échappe au chemin habituel. Il y a de toute manière un état humain, il y a une expérience d'un être humain à un moment donné qu'on ne peut pas nier. Dans, bien qu'étant, oui, résolument athée, assuré de la non-existence de quelque Dieu que ce soit, d'une vie éternelle ou de l'âme en tant que telle, je suis dans la polémique entre Sartre et Camus du côté de Camus. Car quand Sartre dit « il faut se débarrasser de la religion, c'est fini, n'en parlons plus, c'est la mort de l'âme, etc. » et que Camus lui répond « oui, mais le sacré fait partie de l'être humain. » Et si nous voulons, nous, philosophes, bien qu'athées l'un et l'autre, nous adresser à l'être humain en tant que tel, nous devons admettre cette dimension en ce qui le compose, en parler et nous en approcher, eh bien c'est un peu, mais du point de vue politique et pas philosophique, mon attitude. J'apprécie beaucoup toute démarche de l'être humain ou de l'esprit humain, si vous voulez, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas parce que quelqu'un, d'ailleurs, est-ce que Claude Opil a jamais dit qu'il avait rencontré Dieu? Jamais. Il a dit qu'il va de ténèbres en ténèbres et de lumière en lumière, et même, vous le savez, de néant en néant, puisque le mot néant revient souvent dans tout ce qu'il a écrit. Alors, ce n'est pas parce que
il vivait à une époque où tout le monde croyait en Dieu et que moi je n'y crois pas, que je vais refuser une œuvre magnifique. Je vois 100 000 esprits, les mystiques étoiles, adorant le soleil qu'ils contemplent sans voile, ne le comprendre pas. Ils le voient assez pour regorger de gloire. Ils n'ont entendement, volonté ni mémoire, mourant d'un doux trépas. Morts, ils vivent d'amour au baiser salutaire que l'épouse à l'époux demandait par mystère, ne pouvant en ce lieu faire rien qu'admirer leur principe ineffable, qu'ils ne peuvent comprendre en sa gloire admirable, car il est toujours Dieu. Ô gloire de ses gloires, extase sur extase, qui les anges ravit et tous les saints embrasent d'éternels amours. C'est qu'ils voient trois noms dans une essence unique, qui devant cet objet ne serait extatique toujours, toujours, toujours. Dieu n'est pas tout à fait hors-jeu dans ce travail poétique, me semble-t-il. Il est le référent qui empêche précisément de donner la signification humaine aux mots. Le langage est adapté au fini et donc implicitement il importe les catégories du fini dans tout discours sur Dieu. En ceci, il doit être critiqué. Il y a dans Hoppe une étonnante affirmation. Il nous dit que même les noms trinitaires, Père, Fils et Esprit, ne sont adaptés qu'à l'insuffisance de l'esprit humain. Et dans une autre strophe, il suggère la même idée, mais autrement, en disant que le Père seul peut dire Fils au Fils et le Fils, Père au Père. Donc seul Dieu peut dire son propre nom. Donc je crois que le référent divin demeure. Et c'est lui qui vide de signification les mots créés. D'un autre côté, il y a aussi cette particularité de l'écriture d'Hoppe qu'elle a tendance à dissimuler la densité du discours religieux qu'elle recèle. Elle invite quasiment le lecteur à l'inattention au concept. Et par là même, elle produit cette déprise de l'intellect et du concept qui est un des buts qu'elle poursuit, je crois. Mais c'est cela, justement, que je trouve qui est souvent curieux chez Hoppe. C'est que, d'ailleurs, en plus, quand on se le lit à soi-même à voix haute, il y a, je dirais, une telle limpidité du style, il y a une telle musicalité du discours qu'à la limite, on pourrait ne plus être sensible qu'à elle et donc ne plus faire attention au contenu et au sens. Oui, je crois que c'est bien caractéristique de l'écriture de la poésie mystique. J'ai trouvé chez Malaval un conseil de ce type. Malaval parle de la récitation des psaumes, je crois. Et il suggère que l'âme vraiment ravie en Dieu n'a plus besoin de faire attention à ce qu'elle dit. D'où la possibilité de ces deux lectures, une lecture savante qui va annoter le texte ou produire des intertextes, et une lecture qui s'abandonne au texte. L'une et l'autre me paraissent légitimes et correspondre finalement à une ascèse de la lecture que le poète propose. Je veux dire que paradoxalement, c'est une certaine ascèse de lecture que de ne plus faire attention au sens. Ô lumière, ô brouillard, ô flamme, ô fumée, mon âme vous admire en vos secrets pâmés, lumière inaccessible à tout entendement. Pour bien parler de vous, il faut qu'on vous adore. Pour bien vous adorer, il faut mourir encore. On ne voit vos grandeurs qu'en pur ravissement. Quand Dieu se révélait sur la montagne sainte, Moïse oyait un tonnerre et tous tremblaient de crainte. Le peuple au pied du mont attendant son retour, les trompettes sonnaient, la montagne enflammée était pleine d'éclairs, de feux et de fumées. Dieu fait, dit le prophète, aux ténèbres ses jours.
Ainsi le vit un jour le prophète Ésaïe. La maison de fumée était toute remplie où ce grand Dieu voulut apparaître à ses yeux. C'est au ciel seulement où, sans aucun nuage, sans brouillard ni fumée, il montre son visage au saint, manifestant son être glorieux. Par l'aube de sa grâce, on arrive à la gloire, lumière du soleil. Quand, de la prison noire sortant, l'âme s'envole au lumineux séjour. Elle voit le soleil au ciel, non plus à l'ombre, mais manifestement, étant reçue au nombre de ses chers benjamins, les enfants de l'amour. Jean-Pierre Chauveau. Et cette démarche, on la retrouve alors tout au long du siècle. Il y a des poètes qui entrent dans le cortège créé par Opil. Ouais, à la fin du siècle, Madame Guyon, les quiétistes, qui ont influencé les piétistes après. Les quiétistes s'inscrivent un peu dans la même démarche. Et puis un poète comme Malaval, qui est un contemporain de Madame Guyon. Il a des expressions très proches de Opil. Oui, mais précisément, puisque vous parlez de Madame Guyon, Jean-Pierre Chauveau, on a l'impression que d'une certaine façon, il y a des chemins de traverse de Opil à Madame Guyon, parce que, bon, évidemment, Opil n'est pas quiétiste, ça n'existe pas encore à ce moment-là, mais on a l'impression que si on s'élance, si on s'élève jusqu'à la divinité, d'une certaine façon, il n'y a plus qu'à se laisser aller. Il n'y a plus qu'à se laisser aller, à se renoncer complètement, oui, bien sûr. C'est ce qu'on trouve aussi chez des poètes comme ce curieux poète qui a commencé jésuite et qui a fini pasteur protestant, c'est Jean de Labadie. On trouve les mêmes expressions. On trouve ça aussi d'ailleurs chez les poètes protestants, car celui que moi je placerais le plus près d'Opil, et qui est sans doute un peu, exactement son contemporain, c'est Mage de Fieffmelin, qui est un poète de formation protestante, mais un protestantisme qui n'a rien à voir avec le protestantisme militant d'un Daubigné, voire même d'un Sponde, hein, mais c'est un protestantisme qui tend aussi vers la mystique. Et le septième essai du spirituel de Mage de Fieffmelin, on retrouve les mêmes figures que chez Opil, il y a une métamorphose spirituelle qui fait que la créature s'élève au-dessus de sa condition, hein, se dissout en quelque sorte dans la révélation de l'ineffable. C'est pourquoi d'ailleurs la poésie s'arrête, parce que c'est l'ineffable. Oui, mais est-ce que d'une certaine manière, ce que l'on a d'ailleurs plus tard reproché à Madame Guyon, mais est-ce qu'Opil, ou quand vous parlez de Mage de Fieffmelin, d'ailleurs, et c'est intéressant de voir qu'un protestant et un catholique arrivent à peu près à la même expérience, apparemment, enfin, ou au même discours, c'est que finalement, ça suppose une sorte d'anéantissement de l'homme. Oui, c'est cela, oui. Et c'est vrai que cette poésie aboutit à une espèce d'évanescence de la condition humaine, et on serait presque tenté, étant encore dans le christianisme, on ne sait pas très bien. Vous constatiez vous-même que dans la poésie d'Opil, la figure du Christ, elle est presque occultée. Sinon, encore une fois, réduite à ce chiffre 2 de la Trinité. Oui, mais je dirais d'une certaine manière, on a l'impression qu'on est presque plus proche de la découverte de l'unique chez Plotin et l'homme se perd dans cet unique, oui, c'est ça, que en réalité devant l'adoration du Christ. Oui, oui. Même, on peut penser à certaines philosophies orientales, mystiques orientales. Il est quand même étonnant que dans la vision d'Opil, le Christ, bien sûr, il est présent, sous-jacent, on le sent. Mais c'est le Christ glorieux, hein, le Christ fait homme, le Christ souffrant, le Christ de la passion, le Christ du calvaire, il est totalement absent dans cette poésie. Et c'est justement, c'est bien l'humanité du Christ qui est absente. Alors est-ce que l'homme, dans quelle mesure l'homme est-il encore, est-il charnellement présent dans la poésie d'Opil? On peut se poser la question.
Clodopile ou la mystique baroque, par Michel Cazenave, avec Anne Mantero, François Bouchet, Jean-Claude Carrière, Jean-Pierre Chauveau, Jean Serrois. Texte lu par Michael Lonsdal. Groupe de réalisation, Pascal Bénard, Clément Léotard, Benjamin Vignal, Claude Giovanetti.